Alors, fidèles téléspectateurs de Congo Uni Télévision, Botenabino, Nabisikanyo, surtout vos amis, Ndekonabiso, vos alliés. En tout cas, voilà, fidèles téléspectateurs, il y a Congo Uni, Topesibino, Botenabisikanyo, surtout, hein, vous suivez vraiment Libaku, il y a Kolanda, chaîne Nabino Congo Uni Télévision, Oyo. Et puis, Sarabino, tu as un manac, et puis, Sarabino, toujours information vraie et vérifiable, information en temps réel. Alors, Namokolo, en tout cas, tu as vraiment, maître Loulou, Oazali, maître, effectivement, mais en même temps, analyste et politique, Naye Tokoye Bakoubeta, Masolo, Italie, Oazali, Kolekanambo, Kanabiso, République démocratique du Congo, Maye, Ezali, Kosale, mais surtout, il y a formation, il y a gouvernement, il y a mandat, Oyo. Il y a président Félix Antoine Tshisekedi, Otozali comme on a déjà, Batubazali ko s'est poignardé, Batubazali ko moi guerre, moi Otozali ko kota entre différents partis politiques et Otozali nakati ya union sacrée, les lotomoni, Otozali pacte pour le Congo retrouvé, initiative Otozali créée par Vital Kamerhe, initiative Otozali créée également par Julien Paluku, initiative Oyope, ils allaient sous créer un abandéco basangani. En tout cas, ils allaient regroupement, ils allaient consanguissa six regroupements et puis n'a pas parti politique. Alors, c'est pour quel objectif? Hein? Tant babenga au Congo retrouvé, c'est parce qu'il y a un objectif normalement. Ils allaient poursuivre Bangonyo surtout. Et puis tout comme d'appeler l'isolo, ils allaient coléka. Mais ils allaient coléka surtout na est et ambo kanabiso. Tout bande qu'on a sadek, tout monde qui bangon bayaki. Mission na bangon, ils allaient mission offensive. Ils allaient mission pacifique, t'es. Bandeko, en tout cas, balobaki, tu ba peko beta li sou li solo, wana, tu koko ta vraiment la profondeur, pour na koye ba ko trouver quand même solution, hein, moi, attente, moko boye na maye, ozali ko leka vraiment na est et moko kanabiso, solution moko radicale, pour que justement, tu éradiquer ba M23, na mboka na biso, na ma belé na biso, parce que on a l'impression comme si, ba s'accaparer na ozali ya biso. On ne sait pas jusque-là comment est-ce que les solutions ne sont pas trouvées. On va en parler. En tout cas, mais quand même, il faut savoir que ils ont des moyens mis en place justement pour mettre tout, pour bouter Bango hors la République démocratique du Congo, hors nos terres. En tout cas, cette fois-ci, les Congolais ont décidé. Mais il nous faudrait quoi? Il nous faudrait nous mettre sur une table. Que nous soyons opposants, que nous soyons je ne sais qui, il nous faudrait vraiment nous mettre sur la table pour qu'on trouve quand même une solution. Mais alors, par rapport à la formation, à la gouvernement hein, actuel, il y a quand même hein, beaucoup de choses qui sont en train de se dire par rapport à ça. Bandeko Balobi, quand même, il faut pas couper ça pour remercier Bandeko y a UDPS. Bandeko y a UDPS, Batangi Bakombo, peut-être Kobi Malakati, Bandeko y a Union sacré bakoki pekoye banako remercier bango parce que vous allez poser mingi problème et allez à primature nani à ma premier ministre na mboka o est-ce que zaline de koliao est-ce que zaline de ko Peter Kazadi est-ce que zaline de ko Auguste Kabuya est-ce que zaline de ko Vital Kamerhe c'est des questions que beaucoup de Congolais se posent en ce moment. Le président a du pain sur la planche quand même. Alors maître Loulou, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour Nabino Nyonso, et puis bonjour Nabalandi Nyonso, y a chaîne Nabisho. Alors voilà, maître Loulou, d'entrée de jeu déjà, il faut quand même qu'on entre directement dans le vif de notre sujet. Pour Nakoubetali Solo, il y a pacte Ezali, dynamique créée, comme je l'ai dit tout à l'heure, créée par Vital Kamerhe, créé par Julien Paluku, et puis tant d'autres aussi. Mais ma canicinayo ni ni koki ko mema na oezali regroupement wana to dynamique wana et salami juste après élection présidentielle législative puis investiture ya président. Bon, il y a des scénarios, des scénarios où ils allaient envisager et envisageables. Dans le cadre et analyse politique, comme un analyste politique que je suis, je pense que premier scénario, c'est un royaume dans un royaume. Un royaume dans un royaume, pourquoi? Parce que Kamerhe va tirer l'expérience, il a raté où il y a là qui n'a accord à Kenya, à Nairobi, où il va signer qui, il a co-signé pour y a la premier ministre, parce qu'on a présenté Kamerhe devrait être premier ministre. L'alliance va s'arrêter na Kenya. Mais vous allez vous rendre compte que l'alliance est qui est là qui se simbattait
pour la simple raison que Bazalaki na majorité na niveau parlementaire. Du coup, c'était impossible pour Tshisekedi aiba ko nommer Kamere un premier ministre oyo majorité na parlement ichapaki. C'est ainsi que Monique Kamere a se rétracté qui pour na rolbaki a préféré à la ta oyo place le Chaye, chef de l'État Chaye qui est directeur de cabinet. Na ko chaka directeur de cabinet, il vaut n'est-ce pas ba kota ki na lolenge na loyenge ba nyonso. Tina ko zwa responsabilité à gouvernement, l'exécutif, parce que dans l'exécutif, tu as un président de la République et puis tu as un gouvernement. Il y a un monde qui est sur l'exécutif. Alors, tant que ça est exécutif, on ne peut pas faire sa pouvoir d'exécutif et continuer. Parce que, vous savez, madame, nous sommes dans un système où tu as une disposition transitoire. Lesquelles dispositions transitoires veut qu'une institution ancienne doit demeurer à poste, même ceux du mandat ici, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle institution. C'est ce que nous appelons disposition transitoire. Alors, quand il y a une disposition transitoire, il dit que le gouvernement, il faut la remise et reprise, dans le gouvernement, il faut que désigné et conformé, conformément à la disposition et à la loi, il dit que la majorité, il faut ça le gouvernement, et puis, il y a le premier ministre. Alors, tant que nous avons le premier ministre à Sika Bima, la majorité à Sika, il était question que le gouvernement, il y a Bruno Tshibala, a continué pour ça la affaire courante. Mais, il y a un gouvernement qui va déplacer, qui va mener en la présidence, bisika bomoni akoma ko sala conseil pour na gérer otobenga di projet à 100 jours ba liembo bongi bongi et puis quelqu'un devrait porter le chapeau, c'était Vital Kamerhe. Voilà pourquoi est-ce que premier scénario et Simba quitté parce que Vital Kamerhe azali ki obligé ko lata chapeau na ndenge bango ba bibisa ki ba institution mboka ko longola gouvernement rôle na ye puisque ki ba akoma ki ondire papier mouchoir. Quel papier mouchoir? Papier mouchoir utilisé parce que papier mouchoir les en valeur ceux ils en ont utilisé. Mais tu vas la comment qui un papier mouchoir utilisé agité. Il y a un moment il va qui pouvoir y a Tshibala, rappelez-vous dans le gouvernement Tshibala, balongola qui pouvoir on a baillé dans la présidence va venir pour sa décision va s'aller produire 100 jours 57 millions et bougi. Alors qui devrait porter ses chapeaux? Kamerhe porter ses chapeaux. Donc pour dire qu'ils avaient déjà rupture il y a contrat il y a convention va s'aller qui ou va s'aller qui na Kenya ou il nous a dit Vital Kamerhe a la premier ministre mais va rater qui a mon parce que majorité a la quitté. Mais ma pensée qui est responsabilité, madame, et comme ça qui porte et à directeur à cabinet comme un premier ministre, un super premier ministre. Voilà le premier scénario. Donc, pour dire que Vital Kamerhe est peut-être ses servants dans la leçon à Kala, à Monique, n'a pas aussi une basse touche. Vous menacez déjà une pression politique, il y a un basse à dire, madame, on va pacte. Deuxième scénario, Isali, c'est une farce. Il n'y a pas de farce pendant le discret de Bissot. Si c'est un peu ça, que Mobutu n'a pas de tien, il y a un master. Donc voilà le scénario à Mibale qui est une farce. Ils veulent créer une opposition pour empêcher la vraie opposition d'exister. Parce que si ils empêchent déjà la vraie opposition d'exister, ils ont fait ça qui moins de 5% dans le Parlement. Ça, on n'a jamais senti ça. Toute la vie dans le pays, il y a un peu ça. Boye, nan na yokate ki opposition moko boye un pays dans la guerre, un pays dans la crise, un pays où le président de la République a plus promis que réalisé, il était plus dans les discours on a bien la diazepan, ya roule les sabatou et puis il va faire des élections pour abimana 73% yemoko et puis pour rafler 95% à niveau ya parlement madame, c'est inévitable et alors c'est toi va sali sur une opposition pour permettre à ce que l'opposition, l'opposition déjà bien fondée. Quoi. Donc voilà des scénarios. Wana union sacrée, to wana ozolo bela mambo etali pacte. Non, pacte, wana izali une opposition. Je parle du deuxième scénario. Pacte, wana izali une. Ezali tiba benga si miracle dans l'élection. On appelle benga aussi miracle opposition. C'est-à-dire une opposition bien créée. Et pour permettre à ceux qui aient répondre, n'a pas empêché la vraie opposition. Mais je leur dis toujours que la vraie opposition, ce n'est pas structuré. La vraie opposition, c'est conjoncturel. C'est-à-dire, les amis, situation en mots qualifiés, ils ont opposition. Ils ont l'âge des oppositions, guerre à S, ils ont opposition, dollars, mais ils ont échappé, bah, parce que c'est l'État, vous voyez, qui a compris que les dollars, ils ont matin. C'est ça l'opposition. Donc voilà l'opposition, tout ça, n'a pas respecté les avoirs. Opposition à structure, bah, Fayolo, bah, Moïse, bah, Nanyo, au gré du vent, il tamboula au gré du vent. Mais la vraie opposition, ils allaient dans le peuple, les oppositions, guerre à S, les oppositions, dollars, ils ont échappé, les oppositions, insécurité, les oppositions. Et voilà un peu, madame, ce que vous devez comprendre dans l'opposition. L'opposition est
conjoncturel, mais ce n'est pas structuré. Et dans le cadre de la structure, la partie politique, bureau na bangweza awa, drapeau na bangweza awa. Ça, c'est une position na confiance. Mais alors, ce balobi va revenir na ezali contrat na bangwe à Nairobi, c'est que Vital Kamerhe est déjà partant pour être premier ministre, mais en même temps, je ne crois pas que UDPS, comme pesant la majorité, a quoi accepter. Donc, ça veut dire qu'on crée déjà guerre moko. Na kati même, il y a union sacrée. Madame, pour la stabilité, ça peut être conseil à part pour critiquer. Moi, personnellement, ça peut être conseil à part pour critiquer. Qu'est-ce que moi je peux dire? Pour nous permettre à ce que le chef d'État a sa deuxième mandat dans le calme possible. Moi, je leur demande seulement, bah, ça la profil bas. Il dépêche pas ça la profil bas. Sinon, à ce moment-là, incompréhension, ton malentendu, il est dans la calme. Or, un royaume divisé entre lui-même, Jésus-Christ a dit qu'il ne subsista jamais. Donc, fichier les autres dans la carte. Pour preuve, ma contestation avec l'élection, il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas d'opposant. Il y a IDPS. Il n'y a pas d'opposant. Union sacrée. Et moi, j'ai déjà dit bien avant, Union sacrée, vous voyez, au Panzana. Pourquoi? Parce que si le nombre de candidats dans mon équipe à PC qui n'a pas parti mosaïque, on aura seulement besoin de 500 membres ou aux arcades et assemblées. Alors, je ne vois pas, reste naïf, ce qui m'a parlé de 45 000 candidats. Alors, ceux qui t'ont lobby, tous jusqu'à 500, 45 000, tous chaque année, c'est 45 000, les minimum 45 000. Donc, 44 000, hein, comment? 44 000, ceux qui 900, ceux qui combien, voilà, hein, qui gardent. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont se retrouver. Je ne sais pas. Or, il y a un abeille qu'il faut, bah, réduire l'ambition en bango, bah, faire taire l'ambition en bango, peut permettre à ce qui va gagner. Moi, je vois, IDPS n'est pas gagné le deuxième mandat, mais je vois IDPS gagner les élections à 2028 et 2033. Madame Nassansny, le seul candidat au IDP, ça peut présenter le lot pour faire face à opposant. C'est ça, Tshisekedi Félix. Or, Tshisekedi Félix sera bouté à un problème. Il va faire son dernier mandat. Donc, il faut falloir maintenant chercher un autre de l'UDP qui devrait remplacer Tshisekedi entre dans l'élection à 2028. À moins qu'il va comme ça au royaume. De base, il va comme ça au royaume. Donc voilà les points Bausalanam. Et on a vu que pour moi, j'estime que il était important que deuxième mandat ait été qui est le mandat où il y a Kimia entre Bango et Bango pour préparer 2028. Il dépasse ça la profil bas, mais je ne vois pas Augustin Kabouya accepter ça. Je ne vois pas des orgueillés. Naturellement, en tout cas, ils sont des orgueillés, naturellement orgueillés. Donc ils sont naturellement orgueillés. Comme ils sont naturellement orgueillés. C'est ce qui va faire que vous monatou qui n'a pas de problème. Parce qu'il y a certaines choses, mais moi je l'ai dit la fois passée, mais l'élection est à Félix Tshisekedi. Moi je savais que Félix Tshisekedi allait gagner. Vive n'est pas possible d'aller au Panda. Vive n'est pas condition d'aller qui, moi je savais. Mais est-ce que c'était normal que tu as mon Bino à niveau CENI pour protéger Bino? Est-ce que c'était normal que tu as mon Bino à niveau cour constitutionnel pour protéger Bino? Est-ce que c'était normal? Est-ce que c'était normal? Je me suis posé des questions. Madame, même si on devrait organiser les élections, reprendre en haut. Dans ma condition à bien. Boutier tout le monde dans ma condition à bien. Tu sais qu'il faut la gagner. Mais dans ma tour, il y a Jolité. Dans 73, Almo gagné. Il allait toujours gagner. Pourquoi? Mais en face de Tshisekedi, il n'y a rien. En face de lui, il n'y a rien, madame. Si je le dis, je me permets de le dire. Donc, entre beaucoup de mots, on choisit le moindre. Tshisekedi, c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Donc, moi, c'est, en tout cas, ça m'engage. Ce que je dis, ça m'engage. Même si on devait faire des élections, on va reprendre l'élection dans l'élection propre. Bah, si qui va nous tramouter à voter dans le normal. Dans l'élection composée de l'élection, madame, je vous dis la vérité, c'est ce qui est à vous gagner, peut-être, à cause de 40%, bah, monsieur Alandine, à ce moment-là, on va 30, bah, 25. Ça, c'est ce que je pense. Voilà. Mais Vitesse, il doit comprendre que son choix. Il doit comprendre que la fraude des autres a profité pas d'elle. Il lui est récelé, il y a pas de voix, il y a tout ce choix. Là, on n'a pas parlé. Vitesse, quand même. Ok, Vital Kamerhe, quand même, son choix pose problème parce qu'il y a certains Congolais qui disent que par rapport à Ezali détournement et Salama, il y a 100 jours. Alors, déjà, quand même, il fait peur aux gens dans le sens où ce qui est la primature, wana a été en train de se faire, il y a eu à répondre vraiment à la tente de la population. Parce que déjà, tâche, wana oyo baboake la ewana ils a déjà bien collé donc on le voit pas, on le sent pas. Mais Vital Kamerhe pouvait jouer un autre rôle.
il pouvait bien jouer notre rôle dans la vie. Parce que nous autres, on arrive à la Bible, c'est qu'on dit ça. Nous avons dit, tout le monde qui a madame, aussi ma réputation à Montezali, pas facile, hein. Et puis, ce sont des difficultés. Président défendre, il a défendre, et quand le président Lobby Keda a réalisé 82% de travaux il y a 100 jours. Mais seulement comme ma visa qui n'est lié, pour ma bébé, sa projet, il y a un bâtiment qui vit tel caméra. Au moins, le président. Madame Okuta, vous savez, madame, dans le procès à 100 jours, on disait, tant que tel caméra, ce n'est pas moi qu'on est en train de s'attaquer. Il s'attaque au président. Bon, oui, président, il va y être, parce que ça qui pas là. Parce que lui, avant, pendant et après, il a toujours soutenu Vital Kamerhe. Et tu vas me dire quoi? Oh, on a la démocrate, n'a tika ka. Non. Il fallait pas tika Vital Kamerhe n'a sort, n'a yazwa qui n'a justice, parce que nous avons ce que nous appelons le pouvoir, indépendance à la pouvoir. Quand le pouvoir judiciaire va opter pour condamner Vital Kamerhe à 10 fois, va refuser qu'il y ait liberté provisoire. C'est que la justice a estimé qu'il y avait des éléments où il y a eu qu'on chargeait Vital Kamerhe. Et il a été condamné. Et quand il a été condamné, ben finalement, tu as évité le procès à Moussou Lindéni, il y a combien de Moutoumala, mais pas président. Une institution ne peut pas aller en combat contre une autre institution. Combien Moutoumala, Moutoumala, Azalara, Arka, Moutoumala, mon pauvre président, il n'y a pas un homme honnête comme Vital Kamerhe. Mais il devrait le défendre. Il devrait le défendre. S'assumer et prendre des responsabilités. Dans la vie, il faut savoir prendre des responsabilités. C'est ça? Vous croyez que le premier gars qui n'a niveau avec Bill Clinton, Monica Lewinsky? Vous ne savez pas que Bill Clinton, c'est vrai à quoi il n'a pas qu'à. Mais vous avez vu comment est-ce qu'il a été défendu? Il a été défendu contre tout voisin et moi, Marais. Ça, tu exposes ton ami et puis tu vas dire après qu'il a récupéré, mais il est blessé. Aujourd'hui, il y a des retombées. Vital Kamerhe, Mais Vital Kamerhe, il est pointé comme un voleur. Non, il est bien monté. Papa côté à prison, à Fanana prison, tous ces années, c'est parce que les gens n'osent pas si comment gérer. Ils devaient bien gérer. Et ils pouvaient peut-être trouver aussi une solution. Tant que M. Jamal vous disait que 57 millions là, je vais rembourser, je peux prendre l'argent, donnez-moi la liberté, je prends. C'est là où il faudrait s'appuyer pour dire que donc c'est que bon, on a un qui a un Vital, qui a un Jamal, Jamal, je ne sais pas, tout petit caillou. Jamal était prêt à rejoindre sa bonne. Mais nous, on a un procès, dans l'aspect, comme je l'ai dit, on a un comme un financier. Mais quand quelqu'un vous dit que 57 millions d'habitants, on a besoin de ça, il y a un bon pour l'envahir. On a un salam bon, mais il y a un bon, on a besoin de ça. Mais il fallait tomber sur ça. Aux États-Unis, sur les montagnes, il y a un bon, on a besoin de ça, on va s'en aller. Il va faire ça, il va diminuer la peine. Il va collaborer avec les parquets, les procureurs. Jamal était prêt à besoin de bon, on a besoin de ça. Donc, ça aurait été mieux, dans le niveau, on va travailler comme ça. Bon, alors, vous continuez à crosser dans l'habitant, mais Jamal a besoin de ça. Jamal a été dans la banque, a besoin de 57 millions. Parce que tant que vous avez Vital, il va dire bon, 57 millions, il va se dire que vous avez bon, on a déjà mal. Ça va être bien, mais Bazou va exposer, après, dans ce cas, Monique, dans ce bateau, au compte, il a été, Bolim Sanga, aux armes de bateau, soit faire une présidence, Monique, il va aussi la tirer, Bazou va s'appuyer, il va monter comme Vital, mon malade, Vital, mon malade, après, quelques jours, va bénir Vital, mais Vital va bénir après, directement, ministre, vice-ministre de l'économie, madame. Bazou, qu'on s'en va. Donc, ça dit, c'était dans la ligne droite, il y a qu'on débit sa réputation, là, il Paul Lelo Vital Kamerhe, à la comme, tout bien, là, premier ministériable, c'est ça. Oui, mais il y a pas que Vital Kamerhe, on parle de Jean-Pierre Bemba maintenant, là, parce que Jean-Pierre Bemba, Batounaye, bah, toujours, dans quatre contestation par rapport, il y a élection législative, ou tu koleka, tout moni, bah, piné, bah, tiaki, tout moni, n'y a soit tout, na koleka, mais lui aussi, quelque part, il est, blessé aussi, parce qu'il s'est mouillé les maillots pour faire élire le président Félix Antoine Tshisekedi, mais quelque part, il est blessé aussi par rapport à tout ce qui vient d'arriver. Madame, vous savez ce que nous avons demandé à Jean-Pierre Bemba lors de l'élection, Bemba plutôt, lors de l'élection, où il y a un gars qui est à la télévision le 29 juin, pour dire que papa, maman, vous m'avez dit que vous savez ce que nous avons reproché à ce monsieur? Il veut rester toujours du côté pouvoir. Il veut rester toujours à côté du pouvoir, proche du pouvoir, dans ses précarés du pouvoir. C'est ça, Jean-Pierre Bemba. C'est ça, Jean-Pierre Bemba, c'est comme ça, il est. Tu vois, alors, il a protégé le régime Kabila. C'est pas pour le souci de la population. Non, il a protégé le régime Kabila. C'était lui qui avait donné le béquille à Kabila. Parce que nous tous, nous attendions Jean-Pierre Bemba. Les élections au Kabila, gagnant qui y est, c'est lui qui avait donné passe en or
un passeur, un véritable passeur, il y avait l'élection, c'était Jean-Pierre Bemba. Parce que nous tous, nous attendions que Jean-Pierre Bemba a contesté l'élection. Parce qu'il n'a pas contesté l'élection, ça allait fragiliser Kabila. Mais Kabila est sorti régaillardi. Tout simplement, c'est parce que Jean-Pierre Bemba est passé pour confirmer les résultats. Il y a Kabila. Lui croyait qu'il va nous la dire, Kabila. Et Jean-Pierre Bemba, il est très rancunier contre Kabila parce que c'était lui qui avait favorisé qu'il y a ce qui Jean-Pierre Bemba qui nous coûte en gâte à aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba a zongi, mais il peut essayer de les sauter. Tant qu'il peut essayer de les sauter, il va maintenant se lancer. Et Naba, Bilogo Moussoussou, au Yahoo, se lancer, il y a Trump, il y a vice-président de la République. Ancien vice-président de la République, quand il veut, il fallait la maturité politique. À côté, il y a des gens qui ne sont pas riches. Mais viens, il y a des gens qui ne sont pas riches. Il fallait bien faire un an. Mais il y a des gens qui sont mouillés, maillés, mais ils ne sont pas mouillés, maillés, mais ils ne sont pas mouillés. Après, il va venir au Kabila. Parce que je ne vois pas pourquoi tu dois être déçu. Il peut être déçu que ce soit le premier ministre Moussoussou, il va le voler. Au moment où il y a un premier ministre, il y a un vice-président de la République, il y a un vice. Et puis Peter Kazadi, dans le cadre de la hiérarchie, il y a un gouvernement. Peter Kazadi est un chef, parce que la préséance, c'est le ministère de l'Intérieur. Peter Kazadi est un chef. Il a accepté pour devenir premier ministre aujourd'hui. Non, il doit rester là où il est. Place à ça, que tu as bien dit, on a fait la calme, et puis voilà. D'accord, ok, mais on va parler quand même, hein, au Italie, choix, il y a chef de file, il y a opposition, parce que où t'es coulé tantôt, on a quatre oppositions, tout au moins l'opposition, ils allaient coexister, ils soutenaient. Mais s'il faut faire un choix par rapport, il y a chef de file de l'opposition. En même temps, opposition, on va dire singa, tout autour d'un CP, on va dire singa, dialogue, hein, va se dialoguer cette fois-ci avec le régime actuel. Mais parmi tous ces gens-là, quelle est la personne qui peut assumer ou être le chef de file de l'opposition? Madame, la première mandat, nous avons le chef de file de l'opposition. Nous avons une question. Nous avons le premier file, ce qui file, ce qui chef, ce qui est le corps, il y a l'opposition. Nous avons bien un file, nous avons un corps. Qui était le corps de l'opposition? Chef de corps de l'opposition. Parce que file, nous avons dit, il faut un corps. Il fait d'accord. Qui était le chef y a corps de l'opposition congolaise dans le premier mandat ici. Mais attends, ce n'est pas un cadeau. Être le chef de file d'opposition, ce n'est pas un cadeau, c'est une exigence légale. Ils avaient exigence au SNI. Mais pour autant vous faire comprendre que le mandat à Tshisekedi, dans le régime à Tshisekedi, il respectera la texte où ils bénéficiaient qui parlent à la monté. Ils étaient dans l'opposition. Or, cette disposition, il y a chef de file, il y a statut opposition. Nous avons voulu à ce qui est s'appliquer pas à Tshisekedi, et pas à, il y a régime Tshisekedi, parce que, bah, on va se laquer tout bas, qui, moutoua pas, ça y est, bah, pas, ça va dire. Et vous savez, madame, loi, où il y a statut opposition, on a bien gagné, loi Étienne Tshisekedi, parce que c'était lui l'opposant charismatique, et puis, lien d'être au Yébaki. Lui, ce tout le temps, là, bah, 91, on entend, tout le monde, il fait Tshisekedi, bah, dit, bah, et on s'appelait camarade, oh, période, voilà. Nous avons vu, il vient dans la cravate, il vient dans le monde sur son Mobutu. C'est ainsi, moi, j'ai demandé, c'est que loi Étienne Tshisekedi. Est-ce que cette loi, Étienne Tshisekedi, va respecter qu'il y a autant où il est passé dans l'opposition? Nous disons, non, va respecter qu'il y a autant, pas à Kabila. Et maintenant, quand ils disent toujours que Kabila pas à Salagibou, va comme qu'on copie ma belle à Kabila. Est-ce que, par exemple, il est passé dans le pouvoir, va faire respecter la loi Wana? Nous disons encore, non. Madame, ça, c'est terrible. C'est grave. Madame, pardon, Zoé, oui. Oui, d'accord, oui. Ok, voilà, c'est grave. Donc, pour dire qu'aujourd'hui. Nous avons une loi Étienne Tshisekedi. Parce que pour moi, il faut tout payer sa vie. Tu as commencé à éroter, tu as commencé à éroter. Non. Tu as commencé à éroter, ils ont un petit naté. Tu as un ils ont un cos à pour nous en résumer. Nous avons commencé à éroter. Ou bien, il est là, nous avons commencé à éroter. Le vieux life mérite plus. Azo mérité toute une voix. Pour moi, la loi statue à opposition, il faut la dénommer la loi Étienne Tshisekedi ou à Mulumba. Quand on parle de la loi Étienne Tshisekedi à Mulumba, il faut faire allusion à la loi, il y a statue à opposition parce qu'il vient d'aller à façonner l'opposition. Maintenant, j'ai posé la question, est-ce que tant que l'IDP s'agit d'opposition, est-ce que cette loi était respectée? Nous disons non. Maintenant, dans toute une question, nous sommes tant que l'IDP continue à pouvoir, est-ce que cette loi est opposition, il s'agit respectée? Nous disons non. Mais maintenant, quand vous me posez la question, il y a une phrase à la leader et à opposant, et à ceux qui font chef de file, il y a bien chef de corps et à opposition. Je t'ai dit qu'il y a mon idée, mais or, moi, c'était que je me dis tout simple, c'est facile.
Bokota la kaka na niveau ya Assemblée nationale qui oyazali na oyazoko joamwa groupe makasi ya bokia. Voilà. Mais là aussi il y a un autre problème qui se va se poser, madame. Quand on parle de l'opposition, il y a l'opposition parlementaire et non parlementaire. Maintenant, quand vous allez maintenant privilégier qu'être chef de file à l'opposition, que vous allez ici dans la réalité parlementaire. Mais la loi est claire pour dire que l'opposition est parlementaire, non parlementaire. Ça va poser problème. Donc, pour moi, c'est ainsi, moi, je dis quoi? On a qu'à faciliter tâche Oyo. Et le fils est effectivement, Babam Saloua, Yarol Baboye, et le chef de file de l'opposition congolaise, tout candidat est deuxième. Parce qu'on va voir maintenant le programme. Programme ya Tshisekedi, na 2003, na programme ya Ouabimi deuxième. Donc, ça dit, on ne choisit pas seulement les gens, on choisit aussi les programmes na Bango. Bon, c'est ça, la réalité. Mais la réalité élection, autre, on n'a jamais vu là où on choisit les programmes. De mais madame, ailleurs, on choisit les programmes. Mais chez nous, là-bas, qu'est-ce qu'on promet, c'est Simbito Yesu Sono, Nalina consolider, bah, qui on pose la question, quels acquis? On pose la question, parce qu'on consolide ce qui existe et ce qui est palpable. Et vous voulez qu'on puisse consolider même les promesses. C'est ça, les problèmes. Je donne l'exemple chez moi, à Mwanda, on a donné l'argent est sorti, nous avons géré cet argent, nous avons voulu gérer cet argent. On l'a jamais vu, l'argent a disparu. Batwalia Mbouana Bazali, Betty Leroy Batwalia Mbouana Bazali, star. C'était si j'ai compris dans le Congo, Soko Yibi Okoma star, Soko Yibi Okoma ministre, Okota prison, voilà. Mais Soko Tongindi Okota prison, Soko Lobike, ah, ils ont mis Okoti prison, mais Soko Yibi Okoma Mukonzi. Donc voilà pourquoi j'ai dit, madame, que pour la opposition, les chefs de file opposition, pour moi, on devait changer cette disposition pour dire que. Et les chefs de file d'opposition, tout candidat au Azalina présidentiel, au Yabimi deuxième. Parce que surtout qu'il y a une logique à parlement ici, parce que l'opposition est parlementaire et non parlementaire. C'est-à-dire, il y a des opposants dans le parlement, il y a aussi des opposants en dehors du parlement. Mais par contre, quand il y a le président de la République, en tout cas, tout citoyen peut adhérer à la vision à Moutou, à un programme à Moutou. Bah, tu vas voter avec Tshisekedi, il y a Yabimi premier. Bah, tout le monde soit aligné de sécurité, bah, peut-être que Moutou a mis deuxième. Donc, Moutou a mis deuxième, automatiquement, il faut qu'il devienne comme porte-parole parce que il est deuxième, n'a pas n'a pas ni bien. Vous voyez pas, il y a un attendant qui pasteur, vient en bas. Théodore Ngoy. Qui va dire qu'il a joué 8 millions. Mais attends, ce gars-là, la députation nationale a joué 8 millions, belé. Carton. Ah, mais oui, belé, carton. Donc, pour dire qu'il faut respecter même, il a joué 0,000003 na présidentielle. Parce que là-bas, c'est toute la République qui est la circonscription. Mais tandis que Yobimi na Ebelika na moins territoire, tout na moins commune. Voilà. D'accord. On est en train de courir derrière le temps. On va justement aborder question où les alliés à sécurité. La sécurité, les alliés qui sévir na Est et la République démocratique du Congo. Tout le monde est en train de faire ça. Il y a des alliés qui sont objectifs de la mission offensive. Mais jusque-là, M23 va prendre toujours large. Donc, comme il est là, Masisi et sa barde en tout cas. Et. Tout le monde a été stratégie moko, hein, où quand même SADC était en place pour éradiquer totalement M23 sur le sol congolais. Madame, d'abord, j'ai donné le lien dans la page Facebook. Il y a Doulimuntu, Maître Doulimuntu Loulou, sur mon côté dans Facebook, au monde, dans la publication Bélé. Là où j'ai parlé, même il y a modification à l'article 70, il faut que l'élection, tout le monde soit chef de l'État autorité. 10 ans, balamoko, cycle échangé, ça se fait à 50, comme à 10 ans, non renouvelable. C'est-à-dire, pour permettre de dire, bah, raison, on t'y sait qu'il y a on a si, si, on a consolidé, ma camarade, un deuxième mandat, pour aller, qu'il y ait deuxième mandat, ça souka. Alors, ce qu'on s'est dit, premier mandat, on est qu'il y a un souka, pour opé, ça vit sur ma cache, ça va, pour, tombogara, pamba, t'es aussi, t'as un, bah, tu vois, c'est pas comme un kanda, aux actes, automatiquement, un deuxième mandat, pour permettre aussi, ça, mais ça, non renouvelable. Donc, 10 ans, non renouvelable, et tout, bien, on va, mandat doublé. Comme ça, permettre au consolider calmement mandat première année qui dixième année, parce qu'il faut tika. À un certain moment, pour social, il faut paiement. Nous autres, on peut s'en faire paiement. Donc, tu sais qu'il dit qu'il y a un loi que les pouvoirs usent. Pouvoir est l'embissaga. Donc, ce qui est l'embissaga, 10 ans, il y a un ça là. Et puis voilà. Et pour permettre, surtout ça, la sous-élection, il y a un peu pour te perdre 1 500 000 $. Et tout boire à l'ambition. Madame, ce qui est pour perdre 1 500 000 $ chaque après 5 ans, vous allez remarquer, madame, beaucoup d'ambitieux perdent les nuits. Moi-même, tout organisé, même armé d'ambitieux.
na ko pesa o réalité o izali na na autobengi na G5 Sahel Mali Niger Burkina Faso pays wana beaucoup arabes izango sala makasi beaucoup arabes izango beta makasi na pays wana on savait plein pays comment vivre na pays wana yo la ndaka ba radio madame osage journaliste makasi investigation yo ga soma kama beaucoup arabes na ba pays wana Mali Burkina Faso Niger makama beaucoup arabes yo ga musu ils ont rassouté. Pourquoi? Parce que l'armée nationale est gérée. Et celui qui est sorti, oh, il a besoin de pouvoir soutenir le coup d'État. Mais écoutez, il va s'imposer, il va tirer les moyens. Aujourd'hui, les moyens sont là. Il va se soutenir aux communautés internationales. Il y a une télévision à Cambodge, on s'arrête, il y a un côté de la bisson. Non. L'armée, là, c'était l'armée qui a été mieux classée, mais il n'y a pas de moyens. Soldats, on a monné la zone, on a botté une bisson, on a un camp, on a continué la guerre avec le Burundi. Donc, il faut mettre les moyens. Et Moutsoudazo Matazo qui n'a pas payé $100. $100, vous payez ça, vous avez un peu de temps, 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 donc, tout ça, c'est un problème, madame Akorobake. Ça dit qu'il y a un peu de temps, mais il y a un peu de temps, ils ont existé par la mission. Mais quand il n'y a rien qui n'existe, vous avez compté même là-bas, la force et la défense populaire. Oh, Wazalendo, félicitations, je suis Wazalendo, on a dit oui. Ça, ailleurs, ça ne peut pas passer. Il faut dire, je suis l'armée congolaise. Il faut donner les moyens. Mais quand vous ne donnez pas les moyens, vous voyez, quel est le fanatisme, le triomphalisme. Madame, Atta savait qu'il y a, vous avez un problème. Donc, moi, je pense, à niveau à Mali, à niveau à Burkina Faso, à niveau à Niger, à niveau à pays, où on a un souci matin, il y a un combattu. Je pense que l'armée, là-bas, il va nous prendre conscience. Et puis, beaucoup d'arabes, il va nous soutenir. Parce que, beaucoup d'arabes, bah, zonga, bah, replia, bah, bunga, tout simplement parce qu'il y avait des connivences qui n'ont ni connu là ou à tes assises mais et permettre à ce que armée et bazoa et tout bien l'autorité de l'État était rétablie chez nous Sadek Akouya à Koko Tanan Malembe à Banassa la première fois deuxième fois qui n'a au niveau vous ne savez même pas que la plus grande émission tous les gens qui n'ont rien de ce mais fout très rien tout ça vous ne sentez pas qu'il y avait des choses qu'il faudrait savoir que, comment résoudre les problèmes. Nous avons l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord cadre d'Addis Abeba va nous dire que tous les pays frontaliers du Nord, du Congo, Batika vont se servir comme base arrière à la rébelle. Voilà. Mais le Rwanda, c'est connu de tout le monde. Nous savons que c'est le Rwanda qui soutient M23. Tout le monde a dit, bien, on a un rapport, tout ça, besoin de réunion, besoin de chanter, besoin de bien. Mais quelles sont les sanctions? Il n'y a rien. Il n'y a pas de sanctions. Et madame, dans le Nord, on a toujours, tant que la République du Congo, de l'interne, toujours, soit facilité à Koyo Kanati. Libanda n'a plus qu'à profiter de la division de l'Obisso. Quand je parle de ça, parce que vous avez parlé de ça de tout à l'heure, Balobi dialogue, Batsengi dialogue. Opposition et Sengi dialogue, pouvoir peut aussi un dialogue. Mais le dialogue, c'est un état d'esprit où ils allaient constituer même élaboration à constitution de l'Obisso à 2006. Cette constitution, allez lire, n'a pas exposé les motifs. Vous allez remarquer que les protagonistes, les belligérants, hier, yeah, n'a pas force vive, Basangana qui bangonionso. Balobi qui topait sa chance pour nous ramener qui vient à RDC pour tout reconstruire le pays Nabisso. Mais c'est ça l'esprit du dialogue. C'est ça. C'est ça l'esprit du dialogue. Et aujourd'hui, quand vous allez demander aux gens qui font tout sur la gare, et comment dire, oh non, vous n'avez pas poste. Non, pas poste, vous avez la difficulté au Kaboulamo Binomoko. Mais vous allez vous battre, vous allez vous battre, vous allez vous battre. Si c'est que Nabisso soit roulé là, pour nous prendre un premier ministre, il ne va pas dormir. Pour nous prendre un premier ministre, il va dormir. Donc à chaque étape, il faut créer de nouveaux opposants. Et ça, je vous dis, programmation et résultat, il y a législative nationale. Il y a eu des opposants créés, de toutes pièces, et des vrais opposants des filtrés. Programmation, il y a des députations provinciales. Il y a eu des opposants où va se créer. Ok, va se créer, va ça. Et aussi, dans le cadre d'élaboration à gouvernement, il y aura aussi des opposants. Dans le cadre de la répartition, il y a un groupe parlementaire, il y aura aussi des opposants. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez là-bas, bah, Mosaïque n'a pas fié dans mon nous connaissons l'expérience avec vous du Congo, dans le cadre de la partie politique. Mais l'élection ne se fait pas à frustration. Élection tout le marque à frustration. Élection tout le marque à frustration. Donc, ça, non, c'est le minimum. Quand vous dites ça, ce n'est pas. C'est une mauvaise esquisse. C'est le minimum. Et même un minimum, il y a frustration, il y a un maximum. En République du Congo, ils sont au zénith. Fichassé, ils sont au zénith et au rendez-vous. Ne vous en faites pas, madame. Qu'on travaille dans le mouton de la vérité, dans le mouton de la République, pour le mouton de la vérité. Puis, si vous avez une idée, pour tout le monde, la vérité.
alana batune pembeni pembeni na ye wana ba hypocrite bango bakanisi ki mbogo sozo mutalibi na tezo bakyo biso linki sikina kama roi atabino et mutamu pe yasindi fufu na mabogo azolia je ne sais pas ce qui cherche de la de l'absolu bana ni ça c'est une provocation ça madame c'est une provocation pendant que tu dois dire ko zoka ko li place mo diminuer ba volume na bino bozoko ko tumbo la somba tu non ça c'est pas normal ça volume ça ngana lubango iza ko zokisa biso il faut avoir la stratégie de vivre Boisa, Boyambi, mais profil bas, malembe, c'est ma olympique. Parce que moi, quand j'ai dit aux amis que on va programmer les résultats, et c'est ce qu'il va prêter seulement avant que va programmer les résultats à la législative nationale. Les gens m'ont dit que non, ça m'a raté, programme, calendrier, et que vous allez en aller. Pourquoi c'est ce qu'il avait d'abord besoin à se confirmer comme président pour permettre à Solana de trouver en face. Ne vous en faites pas, il a ses soucis. C'est ainsi qu'il a investi dans le bagage qui n'attendre le moment qu'on n'a pas dans le si vous avez vu que 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 vous non, pour diriger ce grand pays, il faut être en tout cas en accord avec les pistes à 50%. Mais quand tu es en accord avec tes amis, tes frères, écoutez, c'est ça le problème. Tu vas croire que tu vas mais tu vas entraîner, tu vas mettre ma boue, ma casse, ma boue, tu vas mettre ma boue, ma punissement, mais écoutez, attends, tu vas comprendre, tu vas couper. D'accord, mais en tant que patriote, bah, défi à relever quand même, et puis coprojeter ce qu'il faut quand même que réaliser dans Mboka Oyo pour que marche Tokene, biso tout au marché dans l'unisson, biso tout au Kene de l'avant. Vous avez parlé du projet à réaliser ou bien du projet du discours? Proposition. Non, vous avez parlé de proposition. Des défis à relever, des défis. Défi à relever pour nous exécuter, n'est-ce pas? Mais non pour nous faire un discours à Sika, une promesse à Sika. Donc, pour moi, le défi, c'est d'abord, il faut d'abord tout faire là, tout ça, la comptabilité, il y a une promesse, nous, c'est là, qui peut s'en acquitter dans les activités, et puis finalement, on va commencer maintenant à travailler à ce niveau. Mais au nom, vous allez faire ça, une nouvelle promesse. Non, non, non. On n'en a plus besoin. Il y a une chose, comme on dirait, Bassi, Otobin, qui Bassi, il y a un blessé de guerre. Tellement je vais couper la vie, tu n'es pas là, non, je vais t'épouser autant de la mise. Attends, tu as une série à Yahoo, tu as une série à Yahoo, tu as une série à Yahoo, tu as une série. Donc, pour dire tout simplement qu'il a vraiment des rebats qui tout à l'heure, le pain sur la planche. Il faut avoir tout possible à travailler. Mais fort malheureusement, tu n'as pas la gaga. L'équipe, parce que 6 ans passés, les gars, ils m'ont tout. Donc, pour dire que comme on a une opportunité, il faut beaucoup consolider les gars. Oui, bah, ça, de la manière, c'est bon, bah, qu'on pousse, y'a pour avoir une solution à battre. Mais c'est vous qui venez maintenant pour insulter les gens. Madame, là, il s'est fait ce que chaque jour, je me fais insulter, hein. Jour à soir, fini, là, ton habit, ah, c'est une erreur dans l'humité. Mais à chaque fois, je me fais insulter. Insulter copieusement. Moutamou n'a pas ce moment-là. Or, elle, pour rien. Elle est pour rien. Défunte, la défunte est décédée pour rien. Donc, pour dire qu'il y a des choses, oh, ils sont tous au monde en RDC, oh, ils ont dit qu'on paie sa vie sur ma casse à Rabaki. RDC est bon gâté. Et bon, pour la volonté, mais il y a des paramètres, des indicateurs de l'activité. Nous n'avons pas la chance. L'intolérance, vous mettez les gens avec les gens qui les ont abandonnés. Au moins, madame, toi, dans la loi, beaucoup, ils ont dit en France, il y a une loi immigration. Cette loi immigration est un problème dans la société. Ma casse, il débat, alors débat, et qui est maison, on a sénat, on a parlement, on a parlement. On a presque, on a débat. Mais ce que j'apprécie ici, ce sont les gens qui sont avisés qui parlent. Partout, ils ont la compétence à Roma. Et puis, partout, ils ont l'expertise à Roma. Mais en RDC, c'est presque tout le monde qui parle de toutes les situations. Donc, on sentit le mouton, tel est-il à Zoloba, mais c'est les liens que tu as tenu. Voilà, non. Oh non, petit mouton, Kumba, on est mouton. Mais attends, c'est pas normal. Madame Louawana et Matisse Sigo toujours qui est de l'autre sur le 24, demain peut-être le Conseil d'État là-bas où vous décidez dans Louawana. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les universitaires, bah, professeurs à l'université à droit, na Grenoble, parce que n'aïe n'a qu'il n'a ramin, n'a bétami, bah, tout, bah, côté qu'on a, bah, comme on a la recherche, n'aïe. Bah, salim, mémou, bah, tindia, on a presté, bah, tindia, on a la réseau société, bah, tindia, on a Conseil d'État, soupli fermé, pour appeler ça avis scientifique par rapport à l'OAO. Madame Tala est single, elle est, tout le monde est protégé. Mais pas d'abus sauf santé, vous avez mis la télévision, mais ma télévision, vous voulez s'en parler, vous avez mis la cravate, la veste, à la qui, à tiens ma poudre, et bien, vous avez fait un livre, vous avez
français ba sotu so ba peso chance ba français kasi biso donné romana ba hoti so ba pesi mutu chance ba français a telemi la route ni zaki ta zo ba n'importe quoi mais oh il faut botcha ba toyo parce que même na Israël les agimbi wana tango ge boki papa prophète botuni ba prophète o ke leger bo lobini prophète a lobi bo ke mete bo éternel a lobi bo zilana ba yego yisa armée armée pe fadi tu ebi histoire moko na kati ya Bible na Israël ba kenda ko bunda sans ki ba leger papa prophète prophète a dit que le prophète a donc, pour dire que nous devons avoir des référents. Et pas un référent basé. J'ai vu que les réseaux sociaux. Référent, c'est-à-dire, nous devons se référer à l'IE pour appeler sa mission de fils qui est ligne de conduite. Dans les réseaux sociaux, petit moroboué, bah référent. Petit moroboué, il a manqué dans les professeurs et 10 mois. Et petit, nous avons vraiment invité. Oh, t'es j'ai dit que tout le monde a vu. Nous avons un maçon. Petit maman. Nous devons avoir maçonné, mais ce qui parle à moi, celui-là, c'est un professeur. Même si on a pensé à vie, naïe. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, oh, bah, il ne s'agit pas de professeur, nous sommes. Qui est un professeur entre, bah, on a pas ça, la débat. Ça aussi, nous devons être comme un niveau, on a, quand tu as battu, on a besoin de mécanique, maïe, ça, mais, débat mécanique. Bah, tout ça, bah, maçon, bah, ça, débat maçonnerie. Bah, tout ça, ménisier, bah, ça, débat ménisierie. Et pas, n'abîme, son bateau, bah, ça, vraiment, l'expertise, et c'est eux qui parlent pour la, contre la politique, bah, on va voir pour l'économie, bah, on va pour le droit, pour la loi. Aux autres contenus, magistrat, mon aîné, vous tournez question, vous yosa, oh, t'es, n'a pas étudiant après, n'a pas la première graduée. Petit maman. Donc, tu recommandes ma licence, c'est que j'ai le camboua. Voilà. D'accord, monsieur Loulou. Voilà, merci beaucoup, monsieur Loulou, hein, pour la participation à yo. Na émission, na biso, ya Congo, na Congo Uni Télévision, en tout cas. Merci infiniment. Vraiment, pour cette opportunité, surtout pour cette disponibilité, ou encore Dakar, toujours na Congo Uni Télévision. Alors, je crois qu'on va vous retrouver prochainement. Merci. Ouais. Merci beaucoup et vous, au revoir. D'accord. Alors, fidèles téléspectateurs de Congo Uni Télévision, abonnez-vous massivement, partagez, aimez notre chaîne. Nous sommes là pour vous informer. Si vous voulez participer à notre émission, le numéro est toujours. Également content en tout cas de vous avoir dans notre chaîne Congo Uni Télévision. En tout cas, Bongo Tokutani Mbala Yassima. Au revoir.